Monsieur Toumba Diakité vous a insulté. La parole, s'il vous plaît. À ma présence. S'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, monsieur le président. On souhaiterait que le conseil de l'ordre fasse observer à l'avocat concerné. Il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. On vous a même parlé du fétichisme jusqu'à dire qu'on aurait fait sortir le prochain président lorsque vous étiez président. Qu'on aurait fait sortir le prochain président, un pétisseur indien aurait dit qu'après vous, c'est M. Alpha Condé qui serait le prochain président. Dans ce procès, on voit tout, monsieur le président. Vous le savez, on voit tout. Alors que Toumba lui-même qui a comparu ne l'a jamais dit oui ou non. Oui, maître. Ce sont ses conseils qui le disent, oui ou non. Oui, maître. Est-ce que vous savez qu'au procès pénal, l'avocat ne représente pas son client, mais l'assiste? Est-ce que vous le savez? Oui, maître. Moi, je ne peux pas parler à votre place. Je vous assiste. Tout à fait, maître. Les conseils de M. Toumba ne peuvent pas le représenter à ce procès. Il l'assiste. Est-ce que vous pouvez penser un seul instant ce que vous n'avez pas dit à la barre de ce tribunal, que moi, je viens de soutenir le contraire de vos propos? Non. Vous n'estimez pas qu'il s'agit d'une divagation? Oui. Une tentative d'induire le tribunal en erreur? Tout à fait. Vous savez que vous avez tellement été injurié par nos confrères qui assurent la défense. Personne de M. Toumba Diakité. Personne n'a pas été injurié, s'il vous plaît. M. Camara n'a jamais été injurié devant ce tribunal. Monsieur, qu'on soit d'accord, hein, s'il vous plaît, évitez certains termes. Il n'a jamais été injurié ici. Monsieur le Président, je le dis et je persiste. S'il vous plaît, il n'a jamais été injurié ici. Je le dis et je persiste. Moi, maître Pépé Koulemou, je le dis et je persiste. Peut-être vous avez une autre définition. On l'a souvent insulté. S'il vous plaît, peut-être que vous avez une autre définition de l'injure. Posez des questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Je maintiens mes propos selon lesquels vous avez été injurié, s'il vous plaît, maître. Vous avez été injurié dans le cadre de ce procès. Vous avez été injurié par mon confrère, maître Paul Yomba Kourouma. S'il vous plaît, maître. Une fois de plus, s'il vous plaît. Pourquoi vous aimez insister sur les trucs, surtout vous? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. On estime que vous êtes professionnel. Parfaitement, je le pourquoi suis. Pourquoi vous insistez sur des termes, surtout quand le tribunal vous dit d'arrêter? Pourquoi vous aimez aller au-delà? Pourquoi vous le faites? Monsieur le Président. C'est pas une discussion entre vous et le tribunal. Vous le faites maintenant. Le tribunal sera obligé de vous arrêter et de vous demander de libérer la salle. C'est de votre droit. Vous pouvez le faire, monsieur le Président. Allez-y, monsieur. Je soutiens la thèse selon laquelle monsieur Toumba Diakité vous a insulté. La parole, s'il vous plaît. À ma présence. S'il vous plaît. Maître. Je passe aux questions. Quittez cette salle, s'il vous plaît. Je passe aux questions. Quittez cette salle. Je passe aux questions. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, Maître Péka, non, je vous en prie, non, Maître Péka. Le tribunal vous demande de quitter cette salle. Si vous ne le faites pas, je demande à la force publique de vous expulser. Tout de suite. Tout de suite. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y. En ma qualité de membre du Conseil de l'Ordre, je voudrais, avant tout propos, présenter des excuses au tribunal. Ce tribunal allez-y, maître, allez-y. Mérite respect. Quand vous demandez
à un avocat de s'arrêter, il doit s'arrêter et vous écouter. C'est pourquoi nous prions de bien vouloir suspendre la présente audience pour nous permettre de nous entretenir. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Je vous remercie. Ministère public. Monsieur le Président, je voulais dire ceci avant de répondre à la question. En réalité, depuis le début, nous demandons incessamment à ce que les acteurs, ministère public et toutes les différentes parties au procès fassent bon usage des dispositions de des articles 400 et suivants du Code de procédure pénale. Ce n'est pas une première, et ce n'est pas la seconde fois que certains avocats, je ne dis pas tous, essayent de défier le tribunal. Il faudrait quand même que nous sachions raison garder, que nous nous comportions en professionnels. Il faudrait qu'à tous égards, nous ayons un langage approprié. C'est celui d'avoir une déférence, c'est celui de s'adresser au tribunal avec toute la courtoisie requise. Dans le même ordre d'idées, les dispositions de l'article 400 vous donnent à vous et à vous seul, j'insiste là-dessus, la direction des débats et la police de l'audience. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous. Vous en êtes le seul qui a été, au sens de la loi, désigné pour la distribution de la parole. Recadrer les parties au procès. Alors, quand vous demandez à un avocat d'arrêter, quand vous demandez à une partie d'arrêter, l'intéressé doit absolument arrêter. Vous avez retiré la parole au procureur que je suis. J'ai tout bonnement déposé le micro parce que je sais que vous êtes le seul à pouvoir le dire. Vous êtes celui-là qui distribue la parole au mieux des intérêts de toutes les parties. Et vous le faites de la manière la plus équitable. Je suis témoin parce que je n'ai pas quitté cette salle. Monsieur Camara n'a jamais été injurié, il n'a jamais été outré. Toutes les fois que nous autres parties au procès, nous avons eu un langage, vous avez demandé à la personne qui a la parole de retirer le mot. Alors, qu'on sache raison garder. Que l'avocat comprenne que ce n'est pas sa volonté qui passe, mais c'est la volonté de la loi. Ceci dit, Maître Sovogui est un membre du Conseil de l'Ordre. Et s'il demande une suspension de quelques minutes pour qu'il puisse s'entretenir, nous ne trouvons pas d'objection. Mais on souhaiterait que le Conseil de l'Ordre fasse observer à l'avocat concerné. Il doit absolument respecter les prescriptions des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Je vous remercie. Oui, allez-y, maître. Pour quelques minutes, pour que nous, membres du Conseil de l'Ordre, nous puissions régler cette affaire entre nous, avocats. Et vous êtes dans votre droit, monsieur le Président. Nous avons suivi l'incident que nous déplorons. Donc, je vous prie très respectueusement, au nom de M. le bâtonnier absent ici, Maître Maliki Kimoko assure l'intérim, nous vous prions de suspendre cette audience pour quelques minutes pour nous permettre de régler cette affaire à l'interne. Merci bien, M. le Président. L'audience est suspendue.